Même si tu fais les actes connus et reconnus unanimement en islam, par les quatre écoles juridiques, par tous les savants du monde, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône, comme pour la femme al-Hijab, comme... mais tu ne le fais pas dans un but spirituel. Tu ne le fais pas pour satisfaire Dieu, tu le fais pour te montrer, tu le fais pour euh, euh, suivre un mouvement, tu le fais pour te montrer devant les gens, tu le fais parce que c'est la mode, tu le fais parce que ça fait bien, ou même tu le fais parce qu'on t'a fait de la pression. On t'a forcé à prier. On t'a forcé à, à, à faire un acte d'adoration. Par pression, tu ne l'as pas fait par conviction de manière apaisée. Eh bien, à ce moment-là, ton action que tu vas accomplir, elle est rejetée. Elle ne vaut rien. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Tu ne l'as pas fait pour satisfaire ton Seigneur Ta'ala.